Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui on va parler de l'apatite. En fait, on devrait plutôt parler des apatites parce qu'en fait c'est un groupe de pierres qu'on appelle les phosphates de calcium. Alors c'est une pierre qui se forme dans un environnement où il faut qu'il y ait du phosphore, du calcium, du fluor et du chlore. Et c'est un minéral qui est assez tendre puisqu'il a une dureté de 4 à 5, donc il est fragile au choc. Alors on la trouve vraiment absolument partout dans le monde, hein, mais il y a certaines couleurs qui sont plus recherchées comme le bleu néon. D'où vient le nom apatite ? Eh bien en fait, pendant très longtemps, on l'a confondu avec d'autres minéraux, comme par exemple le péridot ou alors comme par exemple les bérylles. Et lorsqu'on l'a identifié, on l'a appelé apatite du grec apatos qui veut dire tromper, parce que c'était une pierre qui était trompeuse. Alors là, vous voyez des bleus, bien évidemment, mais il en existe des vertes, il en existe des roses, des violettes, des jaunes et même des transparentes. Et on peut la trouver sous le nom de pierre d'asperge, c'est une variété verte espagnole, ou alors de la moroxite, qui est une variété de Norvège. Au niveau historique, alors on a très peu d'histoire parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, on l'a beaucoup confondu avec d'autres pierres, hein. Mais sachez que les guérisseuses fabriquaient un onguent avec de la poudre d'apatite broyée et de l'huile pour soigner les addictions. D'autre part, alors c'est une des plus grandes sources de phosphore. Donc on l'utilise notamment pour fabriquer des engrais, des explosifs, des feux d'artifice, mais aussi du dentifrice, des implants dentaires et des greffes osseuses, tout simplement parce que la structure de l'apatite est quasi la même que la structure de l'émail des dents. Au niveau des vertus, alors c'est une pierre qui est en lien avec le chakra de la gorge, donc forcément si vous avez des problèmes pour verbaliser un peu vos émotions, ça peut être judicieux d'avoir une petite apatite. Au niveau physique, donc comme je vous l'ai dit, c'est une pierre qui contient non seulement du calcium, du fluor, du phosphore. Donc si vous avez de l'ostéoporose ou alors si, vous venez de vous fracturer un os ou alors encore si jamais vous avez des problèmes articulaires. Au niveau oligo-éléments, c'est une pierre qui va favoriser l'absorption du calcium dans votre corps. Donc, intéressant. On dit aussi que l'apatite ferait perdre du poids. Alors, qu'en est-il ? Eh bien, il y a deux arguments pour ça. D'une part, c'est une pierre qui va agir sur les émotions. Donc, tous ces fameux kilos émotionnels qu'on prend, ça va être une pierre qui va vous déstresser, vous calmer, vous accepter tel que vous êtes. Donc forcément ça va agir sur le domaine de l'émotionnel, et on sait que c'est important dans la perte de poids, dans certaines pertes de poids, hein, bien sûr, hein, si vous avez une maladie, c'est différent, mais d'autre part ça va agir aussi sur tout ce qui est addiction. Donc au niveau des addictions, par exemple sucrées, voilà, si vous ne pouvez pas vous empêcher de prendre du sucre dès que, c'est pareil, hein, c'est une récompense facile pour le corps de dire « Waouh, je prends un peu de sucre et ça va mieux après. » Donc c'est une pierre qui va vous empêcher d'absorber trop de sucrerie ou trop de sel, hein, par exemple. Hein, c'est la récompense de votre corps. Mais moi, je trouve surtout que cette pierre, elle apporte vraiment un grand lâcher-prise. Si vous êtes une personne qui a besoin de contrôler son univers et celui des autres quelquefois, si vous êtes une personne qui a besoin d'appuyer sur le bouton pause du cerveau parce qu'elle réfléchit trop, elle se tracasse trop pour le futur, pour ce qu'elle va faire dans 5 minutes, hein, voilà, c'est une pierre qui va permettre de souffler et de dire qu'est-ce qui est vraiment essentiel ? Qu'est-ce qui est important dans ma vie ? Ça permet de se poser les bonnes questions et je trouve que vraiment ça agit bien sur le lâcher prise. Au niveau imitation et traitement.
Alors, imitation, bah, il n'y en a pas parce que c'est une pierre qui se trouve vraiment sur toute la croûte terrestre. Hein. Je suis sûre que dans votre région, vous pouvez en trouver. C'est vraiment une pierre abondante. Hein. Au niveau traitement, bien sûr, bah, forcément, c'est les couleurs un petit peu bleu néon qui sont les plus recherchées, mais aussi les couleurs un petit peu plus rares, hein, comme le violet ou le rose ou le rouge. Donc là, il faut vous méfier de, voilà, faut vraiment que ce soit quelqu'un de spécialisé qui vous vende la pierre, parce que il existe malheureusement des traitements pour bonifier, pour rendre plus attractive la pierre. Après, voilà, quand c'est vraiment trop beau, méfiez-vous quand même, hein, demandez des garanties. Quelles sont les précautions à prendre avec votre pierre? Alors, comme je vous l'ai dit, l'apatite, c'est quelque chose de fragile. Donc, on fait attention à tout ce qui est choc, elle raye facilement. Donc voilà, soyez précautionneux avec vos bijoux, hein, c'est mieux. Évitez peut-être de les avoir en bague parce que c'est là où il y a le plus de choc et voilà, elle risque de casser facilement. Sinon, il y a, voilà, elle n'aime pas trop l'eau à répétition non plus. Surtout par rapport aux inclusions, vous ne savez pas trop quelles inclusions sont à l'intérieur, donc voilà, à éviter aussi. Et voilà, après, perd pas trop sa couleur, même au soleil. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais voilà, ça a quand même tendance à un peu pâlir, comme toutes les pierres colorées ont tendance à perdre un peu de couleur au soleil. Hein. J'espère que je vous ai tout dit. Pareil, si jamais j'ai oublié quelque chose, eh bien, on met la question en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye!